Comment reconnaître les menteurs dans le procès des massacres du 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, nous allons vous donner quelques techniques. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer les analyses de votre chaîne Soleil d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet de psychologie, mais un sujet qui nous sera très important pour que nous puissions être en mesure de pouvoir détecter les menteurs dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Le sujet, c'est comment on peut arriver à détecter que quelqu'un dans ce procès est en train de mentir. Nous nous intéressons à ce sujet. Pourquoi? Parce que détecter les menteurs, ça a toujours été quelque chose de très important. Non seulement pour ce procès, mais aussi dans la vie courante, dans la vie quotidienne. Pourquoi? Parce que les menteurs sont des gens qui nous écartent du vrai chemin. Les menteurs sont des gens qui veulent nous cacher ce que nous devons savoir. Les menteurs sont des gens qui peuvent profiter sur nous. Lorsque nous sommes ignorants, les gens vont continuer de profiter sur nous. Voilà pourquoi il est très important de pouvoir être capable de détecter autour de nous ceux qui mentent et ceux qui disent la vérité pour être assez prudent avec les gens. Et les techniques que nous allons apprendre sont les techniques que nous allons aussi utiliser pour apprendre à détecter les menteurs dans ces procès des massacres du 28 septembre 2009. Premièrement, nous allons parler des gestes. Dans les gestes, nous voyons le visage d'abord. Vous allez voir que un menteur va facilement transpirer. Un menteur va facilement rougir lorsqu'il est de teint clair. Un menteur va souvent sourire de façon forcée. Un menteur va souvent cligner les yeux. Il va souvent se frotter les paupières. Un menteur va souvent, généralement, gratter les yeux ou ouvrir les yeux grandement. Deuxièmement, c'est l'attitude. L'attitude des menteurs. Le menteur a souvent l'habitude de changer la posture. Le menteur se met souvent en colère. Il menace. Il décide ou menace de partir, de quitter. Un menteur va changer ou va courber légèrement sa tête. Soit il va se pencher vers de l'avant pour attirer l'empathie des gens, ou encore va essayer de se rétracter, de se recroqueviller vers l'arrière afin de nous faire comprendre qu'il est dos contre le mur. Troisièmement, les mains et les démangeaisons. Quand le cerveau d'un menteur fait des heures supplémentaires, cela emmène des démangeaisons et donc vous allez voir que la personne qui est en face de vous va commencer à se gratter les mains. Se gratter les mains. Pourquoi? Parce que c'est ce que lui impose les heures supplémentaires par rapport à son cerveau. Et vous allez aussi voir que quelqu'un qui ment va respirer de façon très très forte. Sa respiration va changer lorsqu'il est en train d'être coincé. Et au niveau de la voix, vous allez vous rendre compte que la voix va changer. Il y a des mots qui ne vont pas sortir réellement, qui vont être comme avalés. Il y a la voix qui va commencer à trembler et il va chercher sûrement à gratter sa gorge. Ça, c'est au niveau des gestes sur les menteurs. Quelles sont donc d'autres techniques qui peuvent nous permettre de détecter que celui qui est en face de moi est un menteur? Une chose à faire, c'est de répéter la question plusieurs fois. Vous allez remarquer que dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009, il y a des questions qui sont revenues plusieurs fois. Il y a la même question posée de plusieurs manières, ou encore la même question posée par plusieurs personnes de la même manière ou de plusieurs manières. Et lorsque vous êtes en face d'un menteur, vous allez remarquer qu'il y aura un changement de réponse quelque part. Soit lorsque vous posez la question pour la deuxième, la troisième fois, ou encore lorsque une autre personne vient poser la même question. La réponse va changer. Donc lorsqu'il y a changement de réponse, sachez que vous êtes en face d'un menteur. Il y a aussi la distanciation. Le menteur va chercher à se distancer donc de votre sujet pour gagner du temps. Il va vous distraire, vous allez poser une question, mais il va vous emmener ailleurs. Au lieu de vous donner une réponse, il va chercher à faire d'autres commentaires, il va hésiter à donner la réponse, il va peut-être prendre une pause en prenant une bouteille d'eau et boire de l'eau pendant que vous attendez. Tout ça, c'est pour gagner du temps et pour vous faire perdre le fil de l'idée, le fil d'encore de votre question, pour que vous puissiez oublier quelle est la question que vous avez posée, pour que vous puissiez passer à une autre question. Regardez aussi, vous allez vous rendre compte que les menteurs vont aussi minimiser les faits. Ils vont minimiser les faits. Ils vont minimiser les faits et ils vont vous emmener dans les rigolades. Vous allez voir que vous êtes en train de poser une question, mais la personne est en train de rire, de rigoler. C'est comme si la question n'était pas importante. C'est comme si ce que vous voulez savoir n'était pas important. Donc ça aussi, c'est un signal que la personne qui est en face de vous est un menteur. Le menteur va aussi méconnaître ou ignorer les gens que vous évoquez. Lorsque vous entendez parler avec quelqu'un, si vous parlez d'une personne qui peut avoir des informations sur celui avec qui vous êtes, sur la personne avec qui vous êtes, cette personne va sûrement dire que je ne connais pas un tel. Je ne connais pas la personne dont vous êtes en train de parler. Nous avons vu cela plusieurs fois dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Pourtant, vous posez la question à quelqu'un sur une personne qu'il connaît, mais il dit que je ne le connais pas. On a beaucoup vu ça, je ne dis pas avec qui, mais nous avons beaucoup vu ça dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Cela suppose que la personne est en train de mentir. La personne a reconnu que la personne dont on est en train de parler a des informations sur moi, donc je fais comme si je ne le connaissais pas. Donc ça aussi, ça vous permet de déceler que celui qui est en face de vous est un menteur. Il y a aussi beaucoup de commentaires sur des questions simples. Vous posez une question simple, mais la personne fait des commentaires avant de venir à la réponse. Ou encore, fait seulement des commentaires, mais ne donne pas de réponse. Regardez, lorsqu'on a posé à quelqu'un la question de savoir qui était le commandant du régiment, ou encore qui détenait les clés du magasin des armes, vous avez vu comment est-ce que la personne à qui on a posé la question a tergiversé, jusqu'à ce qu'on a repris la question plusieurs fois et finalement, il est venu donner une réponse. Il y a aussi les réponses vagues. Les réponses vagues telles que peut-être, je pense, ça peut être cela, bon, ok, peut-être. Donc, ça, c'est des réponses vagues. Les réponses vagues sont utilisées pour embrouiller. Donc, on ne veut pas affirmer, on ne veut pas confirmer, mais qu'est-ce qu'on fait? On dit peut-être pour dire que moi, ce n'est pas ce que j'ai pensé, je ne le confirme pas, mais ça peut être ça. Peut-être, oui, je pense, si c'est ça que vous pensez. Ça aussi, ça vous permet de déceler que cette personne qui est en face de moi est un menteur. Il y a aussi le refus de répondre aux questions. Beaucoup de gens disent, je ne réponds pas à cette question. Pourquoi vous ne voulez pas répondre à cette question? Si c'est une question à laquelle la personne a déjà répondu, c'est tout à fait normal que la personne dise que je ne réponds pas à cette question. Mais si la question ne gêne pas la personne, la personne va donner la réponse. Donc lorsque vous voyez quelqu'un dire « je ne réponds pas à cette question » alors que la personne n'a pas encore ou n'a pas répondu à cette question auparavant, sachez que la personne est en train de cacher la réponse parce que la réponse est fatale pour cette personne. Il y a aussi parler de ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu sans pourtant parler de ce qu'ils ont ressenti ou de ce qu'ils ont senti. Un menteur parlera de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, mais il parlera très très difficilement, jamais ou encore rarement de ce qu'il a ressenti ou de ce qu'il a senti. Demandez à quelqu'un, bon, par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez senti? Par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez ressenti? Un menteur ne vous donnera pas de réponse. Il va chercher à s'échapper. Maintenant, la technique fatale pour trouver ou détecter un menteur, c'est de demander à la personne qui est en face de vous de raconter ce qu'il a raconté de la fin vers le début, c'est-à-dire faire l'inverse. La personne vous a raconté une histoire du début à la fin. Maintenant, demandez à cette personne d'aller de la fin vers le début. Et là, tous les menteurs craquent. Chers amis, avez-vous détecté des menteurs dans le procès des massacres du 28 septembre 2009? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!